Bonjour à tous, c'est Kiffer Kokov pour un nouveau replay commenté de World of Tanks. Alors aujourd'hui, nous allons faire un char qui nous a été beaucoup demandé, à savoir le T-57 Heavy, donc qui est le char lourd américain de tier 10 qui termine la branche des chars à barillet. Alors mon petit Kiffer, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce char? Alors, c'est un char qui est très très polyvalent, très sympa. Selon beaucoup de personnes, c'est l'un des chars qui est actuellement les plus OP du jeu, c'est-à-dire les plus puissants, les plus, comment dirais-je, mal équilibrés. Le bestiau en lui-même, un petit canon qui fait 400 points de dégâts par obus, avec un barillet de 4 coups, donc à chaque fois vous avez un burst de 1600 points de dégâts au total. Une jolie pénétration, 258, 340 à la munition améliorée. 0,35 d'accuracy, donc c'est vraiment cool. Moins 8 plus 15, donc une bonne dépression vers le bas, une bonne élévation. Parfois un peu limite en élévation, mais bon, après, faut pas en demander trop. Un temps de reload court qui vous permet de pas rester trop les fesses à l'air entre deux rechargements et deux vidages de barillet. 22 secondes, ça va. La tourelle, qui, même si elle n'a pas un blindage exceptionnel de face ou de côté, a quand même plein d'angles très arrondis qui font que très fréquemment vous aurez des ricochets inattendus. Vous viserez un endroit, ça partira légèrement sur le côté et hop, ça ricochera sans faire de dégâts. Donc ça peut vous sauver la mise et c'est pas mal. Ça permet de faire pardonner plusieurs erreurs ou en tout cas de prendre moins cher que si on avait une tourelle plus blindée mais complètement plate. Après, au niveau des défauts, blindage côté et arrière, il est totalement inexistant. Et une maniabilité qui est pas top, voilà, qui est un peu à la ramasse. Alors après, comme on est sur Tank Inspector, on peut voir les weak spots. De côté, vous noterez qu'il y a un endroit où en fait les chenilles ne couvrent pas le flanc du char, donc c'est cet endroit-là qu'il faut viser en priorité, avec à peu près 70 de blindage. C'est pas mal, notamment si vous tirez à la hit, vous percerez au lieu de simplement voir votre tir absorbé par les chenilles. Bon, vous me direz, généralement on n'a pas besoin de tirer à la hit de côté sur un T57, mais si vous en avez un dans votre canon de chargé, vous n'allez pas tirer exprès à côté pour charger un obus plus adapté, n'est-ce pas? De face, deux points faibles, le bas de caisse qui réussit quand même de temps en temps à bouncer de manière occasionnelle, et sinon les joues de la tourelle, c'est-à-dire sur la gauche et sur la droite du canon, légèrement en dessous, voilà. Sachant que vous aurez de temps à autre, même en visant des zones qui sont à peu près plates, ou en tout cas à peu près perpendiculaires à votre tir, vous aurez occasionnellement des bounces, parce que ben, vous n'aurez pas eu de chance, ça sera légèrement dévié. Donc c'est un char qui peut réussir à troller l'adversaire, pour peu que vous n'hésitiez pas à faire osciller votre tourelle de gauche et de droite un petit peu, pour peu que le mec essaye de viser une zone précise. Déjà il va perdre du temps à essayer de la viser comme vous oscillez votre tourelle de gauche à droite, et en plus s'il tire, comme vous êtes en train de bouger dans tous les sens, vous avez de bonnes chances de le faire ricocher, ou en tout cas de le faire tirer là où il ne voulait pas. Ouais, au niveau de la tourelle, plus que les joues, je dirais le point faible, c'est surtout la jonction tourelle-coque. C'est ça, l'anneau de tourelle, ouais, qui est vraiment assez facile à pénétrer. Donc, on va embrayer sur le replay. Donc, nous sommes sur la map Himmelsdorf, donc la version refaite sous la neige, et c'est une rencontre. Donc, le cap est en E1, et on va dire la victoire est quand même souvent acquise à l'équipe qui arrive à prendre et tenir la colline. Oui, souvent est un léger euphémisme, on va Ouais. dire 99% du temps il faut prendre la colline, et si vous en assurez le contrôle et que vous arrivez à éliminer les ennemis qui sont en face de vous, la partie est quasiment gagnée, quoi, à moins que absolument personne ne soit parti près du cap pour défendre. Généralement ça se passe bien, parce qu'après vous redescendez à toute allure de l'autre côté, vous farcissez les derniers survivants, et généralement ça pose pas trop de problèmes. Ouais, sauf que là, son équipe est vraiment partie en ville et relativement peu en haut. Ouais, il a peu de soutien derrière lui, ça va être un peu Voilà, ils léger. vont rester en sous-nombre. On va voir ce que ça donne. Bon, par contre, il a l'avantage d'être top tier, il n'y a pas trop de tier 10 en face. Ouais, à voir. Il va peut-être pouvoir finir le Ferdinand. Ah, dommage, non, il a fait deux jets de dégâts inférieurs à sa moyenne de 400. Il va peut-être pouvoir caler un tir au Oh. Rheinmetall Borsig. Ouais. Voilà, joli. Donc 22 secondes de reload, c'est parti. Alors là, en face, ils sont pas très fut-fut. Bah, le problème c'est qu'il y a tous ses collègues là en D0, donc s'ils commencent Ouais, à le tout à fait, rusher, j'avais pas vu qu'ils avaient déjà rejoint la ouais, position. il y a le Ouais. peloton. On rappellera aussi que depuis la colline, l'avantage c'est que vous pouvez tirer sur tous les ennemis en contrebas dans la ville. Là en l'occurrence, il n'en a pas trop l'utilité, puisqu'il y a quand même beaucoup 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 de monde sur la colline, Oui, mais voilà, il manque n'oubliez pas de jamais cette cible. possibilité. C'est Ouais. toujours sympa. Le problème c'est que maintenant, bon, il y en a deux qui l'ont rejoint enfin, mais le 1390 s'est fait sortir. Dommage, c'était pas lui qui visait, mais bon. Ah, tir qui Hors part dans le sol. sol. Voilà, il va pouvoir backer. Reload. Voilà, donc l'avantage c'est qu'il peut pas se faire attaquer par derrière parce qu'il y a tous les ennemis au coin là-bas qui leur font peur. Donc au moins un des deux côtés est sécurisé. Puis en plus il y a un Jack Panzer au centre, donc là généralement les gens ont pas envie de sortir et de prendre la praline à plus de 1000 points de dégâts. Il va pouvoir finir le 50 dans un instant. Normalement deux tirs ça devrait être bon. Largement, ouais. Donc il a pas de...
Rebondi. Voilà. De digne foireux. Il peut même viser le frontal de tourelle, ça passe comme dans du beurre. Bon, tranquille. Il offre son côté. Alors, ensuite, Léopard PTA. Pareil, deux coups. Sortir aussi. Voilà, encore un deuxième. Parfait. C'est ça qui est vraiment bien avec ce char, c'est que t'as peu de temps de, t'as peu de temps d'inaction entre deux barrières. Franchement, t'as pas le temps, t'as pas vraiment le temps de te faire violer. T'as pas vraiment le temps de t'ennuyer. Voilà, c'est pas mal. J'aime bien. Tu perds pas du temps. Voilà, t'as pas de période où tu sers à rien. Ouais, effectivement. C'est vrai que c'est un peu le risque des fois avec le 50B qui est un peu plus à recharger. Ouais, le 50B ça se joue à quelques secondes, mais je pensais par exemple au tiers inférieur, style ouais. 50-100 où t'as 45 secondes de reload. Là, ça va, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment un handicap extrême. Alors après, c'est sûr que s'il y a un ennemi qui vous charge et qui a une bonne cadence de tir, ça peut être ennuyeux. Mais bon, là ça va. Allez, un petit dernier. Ah, il est pas resté pour prendre le tir. Ouais, ah, par contre, l'IS-7 a pris très très cher, il a été mis en feu, il a plus de kit. Et il est en face d'un Jack Panzer 100, donc j'espère pour lui qu'il va bien cacher son bas de caisse. Ça a pas l'air d'être le cas, mais bon. Allez, il aura bientôt reload. Voilà, il va pouvoir soutenir son camarade. Faut juste qu'il fasse le MX-50. Ah, j'ai l'impression qu'il y a le 2-13, qu'elle est. Non, il a pas. C'est quoi, c'est un 50-100? Ouais, 50-100. 50-120. Allez, monsieur, 50-120, n'ayez pas peur. Oh oui, ouais, il a repéré le petit bout qui dépasse. Ouais, mais non, c'est, enfin, je pense que c'est juste un bout de mitrailleuse ou quoi que ce soit. C'est pas. Alors là, il suffit d'attendre que le Jack Panzer ait tiré. Pff, il a eu de la chance. Le Jack Tiger qui l'a juste track. Ouais, ah, ça c'est dommage, bon. Non. Ouais, il y a l'élément. Ah voilà, parfait. Oh. Allez, encore un. Et l'autre qui se fait violer sans bouger, quoi. C'est ça, et il devait traquer je pense en même temps, là, ah, il s'était pris un tir, je crois qu'il lui a endommagé les chenilles de la part de ses collègues derrière. Ah, un petit blown-up là pour son collègue. Ouais, alors là par contre il est tout seul, il a plus qu'un char qui le couvre. Par contre il en a deux chez les ennemis qui sont facilement éliminables. Le 50-120 il est quasiment mort et le Rheinmetall aussi. Et l'avantage c'est que le seul qui pourrait le rusher et qui a encore des points de vie, Jack Tiger, il le fait pas. Donc pour l'instant ça va. Voilà, allez prends ton temps, nickel. Il va peut-être en prendre un deuxième. Non, ça va, c'est il a bon. Tiré sans attendre d'être focus. On voit la bonne précision du canon à courte distance, même si vous n'êtes pas complètement focus, ça passe plutôt pas mal. Pour l'instant, il a eu de la chance sur ses tirs. En plus, comme c'est un bon joueur, je pense qu'il doit avoir déjà un paquet de parties derrière et qu'il doit avoir quelques compétences. Oui. Bon, déjà 7 kills, déjà 5500 points de dégâts, déjà un rush arrêté sur la colline alors qu'ils étaient en énorme sous-nombre. Ceci dit, ouais, ses collègues qui étaient en ville ont réussi à bien se faire massacrer alors qu'ils étaient en surnombre. Joli, ouais. Ah dommage, il l'a pas track. Bon bah, peut-être un coup le 13. Ah, ouais, il avait prévu qu'il s'arrêterait pas. Et... Ouais. Allez, joli. Ouais, il commence à être un peu lèche niveau obus parce que il lui reste plus que donc un chargeur de hit, un chargeur de HE et deux pauvres obus d'AP. Ça. C'est ça. On va dire le. Et... Il a plus que. C'est son dernier chargeur complet quoi. Après, ouais, ça va être. Je pense qu'il finira sans doute avec le chargeur d'AP parce qu'il vaut mieux avoir 4 obus HE que 2 AP. Enfin, après, ça dépend, mais. Vu comme sont les ennemis, là par exemple, il aurait eu un obus HE, ça aurait été le pied. Ah ouais. 1390. Ah, le 75, allez, s'il pouvait. Il va se lancer, oh, oui. Il va se lancer. Voilà, bon, il l'a pas vu arriver. Ah, par contre, peut-être pas le troisième. Non. Non, ouais, il a bien fait parce que. Ouais, l'ennemi avait reculé. Il va pas recommettre la même erreur, je pense. Je pense pas, 75. Non. En plus, c'est un bon joueur. Ce serait ballot s'il ravance, il est vraiment stupide. Ah, par contre, le 13 là. Dommage. Il y a peut-être. Oh! Si, il va y avoir des velléités. Allez, les gars, motivez-vous. Bon. Ouais, il faudrait peut-être qu'il lance un reload là. Et qu'il descende les aider. Ouais, mais le problème, c'est que s'il lance un reload, il va. Qu'est-ce qu'il met comme obus, quoi? Ben. Ouais, les HE peut-être, vu ce qui est en face. Le 75 à la HE, c'est jouable. La Lorraine, ça passera. Mais le problème, c'est le Jack Tiger dans ben, la descente. Ouais, qui voilà. Est, Jack Tiger à la HE. Ou alors, il ignore le Jack Tiger et il repart de l'autre côté. Auquel cas, Jack Tiger sert plus à rien et plus une menace, tu vois. Si tu peux pas tuer le problème, tu l'évites. Effectivement. Tout se concentrer sur les trucs qu'il peut faire. Donc là, il est parti sur la HE. Ouais, c'est ça. Bah là, ouais, il peut se les faire les deux. Il peut se faire trois chars. Il peut se faire trois chars à la HE, là, sans problème. Le Waffen aussi. Le Waffen, je sais pas combien il est, à combien il a été vu la dernière fois. Le Waffen, il est à 440 points de ouais, vie. Donc toi, ouais, sans problème. One shootable aussi. Ils sont là, avec trois obus sur les quatre, il se fait trois chars. Donc normalement, ça devrait le faire. Problème étant toujours le Jack Tiger, ouais. Avec le T32 qui lui tient face depuis tout à l'heure, je pense que le T32 doit être en hold-down, donc c'est pour ça qu'il a pas trop de soucis pour l'instant. Les ennemis qui essayent de cap, donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment pas la bonne idée de cap sur les maps de rencontre. Des fois ça peut sauver la partie, mais généralement c'est beaucoup trop long, quoi. Ouais, c'est ça. Il suffit qu'il y ait un mec qui arrive, que vous êtes près de la fin et qui vous décape. Oh bah les trois sont dans le cap du coup, c'est bien. Trois dans le cap, une minute pour caper.
Donc ça va, il sait où sont les trois, il manque juste le Jack Tiger, donc c'est bon. Le Jack Jack Tiger n'aura jamais le temps de rebacker. Hein. 3 dans le cap, ça va être assez rapide. Ils arrêtent pas de sortir et de rentrer, je sais pas ce qu'ils font. Voilà. Après ça peut être un bug de... Ouais, non, oui, c'est bien qu'il sort, je sais. Non, il y en a bien qui vient de ressortir encore, ouais, tout à fait. Bon, il va falloir... ouais, il faut qu'il fasse gaffe au Waffen. Priorité au Waffen et à la Lorraine. Le 1390, on s'en fout. Oui. Déjà Waffen et Lorraine dans cet ordre-là, logiquement. C'est vrai, il a encore il a plus de points de vie à lui tout seul que les trois, je pense, donc ça va. C'est ça. C'est juste un niveau obus qu'il a pas intérêt à la mettre à côté, quoi. Ouais, bah même s'il lui reste deux AP derrière, il lui faudra quand même des AP contre le Jack Tiger éventuellement si le T32 fait rien. Le T32 est revenu aussi, donc c'est bien, ils vont pouvoir le prendre par derrière. Allez, bon, il a un angle sur le 1390, voilà. Qui a pas été super réactif sur l'opération. Allez. Ouf, ça c'est nickel. Allez, il va se faire plaisir sur le Lorraine peut-être. Non, le Lorraine a été sorti pour le T32, ouais. Nickel. Bon, bah il lui reste deux obus HE et deux obus AP. Jack Tiger, il est full life, donc il peut lui faire 800 points de dégâts, plus éventuellement avec des HE dans l'arrière, 800 de plus, ça va être tendu. Il va falloir soit qu'il cap à deux avec le T32, soit qu'ils aillent se faire le Jack Tiger. Je sais pas s'il capait... Ouais. Je sais pas du tout où est passé le Jack, donc là, franchement, on voit pas ce qu'il a fait. Le Jack, ouais, il était dans la descente en J9, donc je pense qu'il est en train de revenir gentiment. Le problème, c'est que s'il se met tout au bout de la ligne, il va pouvoir leur mettre des pralinettes dans les fesses sans qu'il le détecte même, donc ça va être un peu tendu. Qu'il est des binos. Le T32 en plus il risque d'y passer très rapidement. Ceci est pas du moment où le Jack de tir il se dévoilera. Bon, il essaye de se coordonner avec son camarade. Bon, déjà 8000 points de dégâts, tout rond en plus. Hein. Ouais. Il a fait les choses bien, c'est joli, tout propre pour les stats. Ceci, il y a probablement eu des blinds sur le 75 qui ont dû passer. Sur le 75, ouais, qui a dû en prendre au moins 2 ou 3, donc 2. 2, je pense. Alors. Ah voilà, Jack Tiger tout au bout. Aïe aïe aïe, il va peut-être prendre un tir. Il quand a les chance, ça lui a fait que la traque. Alors là, avec ouais, avec les éléments de décor, ça fait chier. Bah ouais, sur des HE, ça les arrête. Ah oui, non, il est à la paix. Mais bon, vu le peu d'obus qu'il a, il va pas les gâcher à ce genre de tir foireux. Il va les gâcher et les voir se faire arrêter par les espèces de, de petites barrières là, qui retirent en plus de la pénétration quand ça passe à travers. Ouais, là, il utilise bien la carcasse qui est au milieu. C'est une carcasse de quoi d'ailleurs? C'est le Lorraine, je pense. Ouais, d'accord. Voilà, j'espère que le T32 va le flanquer, nickel, s'ils font du bon taf. Vous savez ce qu'ils aiment. Il essaye de le tenter, ouais, non, ouais, il ouais. Essaye de le tenter à tirer dans les chenilles, il risque rien là, voilà. Donc là, il peut tranquillement lui caler les deux dans le bas de caisse. Oh, il la traque, il l'aurait pas fait exprès. Donc 22 secondes de reload, j'espère que son camarade T32 va vite arriver lui en mettre une dans les fesses. Il va essayer de se coller contre pour le bloquer. Il va essayer surtout de le ramer pour lui recasser les traques en fait, je pense. Ah oui, bien vu. Voilà. Bien joué. Il demande à son camarade de le laisser le tuer. C'est vrai que ça peut être rigolo. Pouf. En plus, il l'a fait tourner et le T32 a ricoché. D'accord. Bon. Joli. Bah, joli, ouais. Ouais, ouais. Il a eu un peu de chance que son camarade T32, qui voulait pas le laisser le tuer, ait ricoché quand il a poussé le Jack Tiger. Mais sinon, non, c'était marrant. Bon, bah, une très très jolie partie avec en prime bah, la médaille de poule comme il a fait 11 kills, la médaille de Fadine. La Master, combien 9500 points de dégâts, 2430 points d'XP, il a endommagé j'ai 13 chars, donc quasiment toute l'équipe adverse y est passée, il en a détruit 11, il a fait des points de défense aussi quand il est revenu sur le Waffen et sur le 1390, il a bien géré ses barrières, il a pas gâché de tir, il en a pas vraiment mis beaucoup à côté. Non, franchement, belle démonstration de la puissance de la bête et du pourquoi elle est peut-être un petit peu trop puissante en ce moment et qu'elle va peut-être subir un destin, peut-être pas tragique, mais un destin moins glorieux dans les patchs à venir. Ouais, non, vraiment sans faute de sa part sur cette partie, et puis, bon, c'est vraiment lui qui a fait le travail en de la colline, quoi. Il était un peu soutenu, mais ils étaient en grave infériorité numérique, et il a vraiment fait la différence sur le combat, donc vraiment un sans faute pour moi. Ouais, un excellent char mené par un excellent joueur. Ouais. Merci de nous avoir suivis, bientôt pour un nouveau replay commenté.